Comment tu fais? Tu prends là. C'est le poignet qui est beau, qui marche. Ah, yeah. C'est là. Oui. Juste le poignet, que le poignet. Viens, viens. C'est dangereux, hein. Non, non, ça va, ça va. Quoi? Je vais faire un truc. Mets-toi là. Allez, on va. Non, non, n'aie pas peur. Enlève tes mains. Enlève tes mains. Fais-moi confiance. Qu'est-ce que t'as fait à manger? Regarde, j'ai fait des. Là, j'ai une friture. Dedans, je fais des croquettes avec du. J'en ai piqué, elles sont délicieuses. Ces croquettes. Ouais, poulet mixé avec des crevettes, un peu de coriandre, citronnelle, gingembre, un œuf, un peu de farine, levure chimique. Ça fait comme des acras en fait. Je fais frire ça. C'est pas dur à faire ça en fait. C'est hyper simple, il faut juste mixer. Direct. C'est après, super friture. Bon. Hein. Et après, on obtient des. Qu'est-ce que tu mets comme huile? Comme ça, l'huile d'arachide. De rachide, on dit. L'huile d'arachide. T'as deux restos. J'ai un resto à Saint-Germain-en-Laye dans le 78. Et là, j'en ouvre un deuxième à Paris, dans le 10e. Ah, ben c'est Julien Courbet, madame là-bas. Oui, c'est au fond de la cour, tout au fond. C'est très bon, hein. C'est bon, hein. Blanc d'œuf. Non, œuf entier, jaune et blanc. Un œuf. Blanc de poulet mixé. Blanc de mixé. Deux blancs poulets. Deux blancs poulets. Un œuf. Une poignée de crevettes. Ah, des crevettes. Ouais, des crevettes crues. Des oh. Faites vite, faites vite. À l'intérieur, il fait chaud. Bonsoir. Comment tu vas? Toujours belle. Toujours belle. Bonsoir. Enchanté, Stella. Enchanté. Soyez bienvenue. Bonsoir. Et je vous débarrasse votre veste, votre sac, mesdames, messieurs. T'as réussi, la vie, toi? Je dis bonjour aux femmes, d'abord. Alors, on m'a dit ne pas trop en faire avec le CSA. Ah, bah c'est sûr. Tu peux continuer, c'est bien. Non, mais là, t'es juste comme il faut. Après, ça va faire un peu... Au pied esclave. Restez sobre avec le CSA. Oui, non, mais c'est bien comme ça. Crache... Non, mais c'est du dain, enfin. Je nettoie. Mais j'ai fait ça avec des dains. Avec des dains, d'accord. Avec des dains et humour. Et distance. Comment ça va bien? Ah, je connais ta gueule, je serais incapable de mettre un prénom dessus. C'est pas grave. Voilà. L'important, c'est que tu connaisses ma gueule. Il va bien. Tiens, regarde. Allons boire un coup. Tu fais ton one man, toi? Oui. Je reviens de Reims et La Rochelle et je pars à Marseille. Ça marche bien? Oui, bah écoute, c'est des petites salles. Retour aux sources. C'est incroyable. Je ne m'imaginais pas que c'était aussi dur que ça. C'est vrai? Mais qu'est-ce qui est dur? C'est physiquement fatigant. C'est pas ça, c'est qu'en fait, tu t'aperçois... Déjà, jouer dans le salle vide, c'est pas évident psychologiquement. Déjà, complètement. Mais c'est te faire huer, te faire traiter de gros naze pendant près d'une heure... Mais oui, non, mais c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est quand tu t'aperçois qu'à la télé... Oui, mais tu payes partie du public, le public est payé. Non, tu plaisantes. Ah, d'accord. Et puis, en plus, je parle des gens qui comprennent pas la langue, comme ça, c'est plus facile pour moi. Ah, d'accord, ce sont des travailleurs... Et tu parles de quoi, alors? Je parle de tout. Je parle de ce que peut parler un homme de moi, de mon âge, de télé, de mariage, d'enfance et du one man. C'est des gens que tu connais qui m'ont aidé à mettre Cholet, français, ouais. Qui m'a mis le pied à l'étrier. Rémi, etc. Mais surtout, voilà, le principe, c'est trois rires par minute. Mais tu changes? Voilà. Tu pas beaucoup, en permanence. C'est pas beaucoup, trois rires par minute. C'est très bien, trois rires par minute. Ne l'écoute pas. Et je change à chaque fois. C'est-à-dire que je joue le soir et je réécris dans la journée. Et on reteste le soir et on réécrit. On reteste le soir et on réécrit. Est-ce que les gens payent pour voir quelqu'un qui voit tous les jours à la télé? Écoute, pour l'instant, question. Oui. Mais c'est pas la même chose. Non, maintenant, remarque, t'es viré maintenant. Tu t'en rends. Voilà. Donc, moi, ça m'a, de ce côté-là, ça va m'ouvrir une grande carrière. Bon, donc, t'es content, t'as réalisé un rêve. Écoute, un rêve, super. Moi, ce qui me passionne dans ce truc, c'est la science. La science du rire, tu vois, tu t'aperçois que tu mets deux mots. Hey. Tu t'aperçois qu'une vanne, en fait, c'est pas qu'elle est pas drôle, c'est que tu l'as mal vendue. Tu t'aperçois que tu as fait le geste trop tôt, que tu as attaqué trop sur les rires. Ça me passionne. Mais surtout, ce qui est génial, effectivement, c'est quand... moi, j'ai fait ma plus grosse selle, c'est 260, c'est Bercy pour moi. La plus grosse selle? Non, selle, pas selle. Mais j'ai compris selle. Mais franchement, pardon. Il n'y a que deux centres d'intérêt dans la vie. L'anus et le caca, madame. J'ai été con, je regrette. Je le ferai plus. 260 personnes. Non, mais voilà, et puis là. Bah, tu démarres, quoi. Quand les rires arrivent. Non, mais de toute façon, pendant deux ans. Ils vont venir, les rires, un jour. Ne t'inquiète pas. Il faut deux ans, en général, pour qu'il y en ait un qui rit. Non, ça rit beaucoup, je suis super content. Voilà. Combien de temps que tu rôdes? Un an. Paris, de toute façon, Paris, c'est une 100 places. Paris, je fais Comédie des Boulevards en septembre, 100 places. Voilà. Et toi, ton dernier disque est très, très bon. Je te remercie. Autant, mais j'aimais pas les autres. C'est vrai, on peut se dire les choses. Hein. J'adore. Ici et ailleurs, en plus, tu as bossé avec des jeunes. Oui.
Ben, j'ai bossé avec Kim Fu. Qui bosse avec Joe Star. Qui bosse avec Joe Star. Et je l'ai rencontré pendant la séance de Mamie Blue, le remake de Joey, puisqu'il m'a invité à chanter avec lui. Et ma maison de disques, il a décidé de me commander un nouveau disque. Je leur ai dit, voilà, on va faire ce disque avec l'équipe de hip-hop qui travaille avec Joe Star. Bon, ils ont un peu très peur au début. Pourquoi? Ben, parce que... L'odeur? C'est... Non, je ne sais pas. Ça leur paraissait, leur paraissait vraiment anachronique. Mais non, je ne vois pas où est l'anachronisme. Quelqu'un qui est là comme moi, qui arrive avec des minous, tu vois ce que je veux dire? Des minous du rap, je plus. Sais, mais ça va lui passer. Ne mais pas. Nous avons fait les maquettes. En fait, tu découvres le rien. Tu m'écoutes quand je te cause. Oui, tu as fait des maquettes. On leur a fait écouter. J'ai fait comme une débutante. Je suis allée en maquette. On les a rassurés. Et maintenant, ils adorent le disque. Et voilà. Et ils sortent aujourd'hui, dis donc. Ça va marcher. Ouais, ça va marcher. Françoise, ton bouquin est très émouvant. Il faut être un peu blindé quand même, parce que c'est un peu mordu de mer, hein, quand même. Ça touche tout le monde, parce que d'abord, il faut dire qu'on n'est jamais préparé à ce genre de maladie. Donc, c'était le but du livre. Et la disparition de sa maman. Et puis dire que c'est aussi l'histoire d'une famille, parce que quand il y a une maladie comme Alzheimer... et que c'est bon, voilà, quelqu'un qui sombre dans la démence. En effet, toutes les vieilles rivalités de l'enfance reviennent, chacun a son point de vue. En plus, c'est très compliqué, les maladies mentales, parce que ce n'est pas comme une maladie objective où on te dit... On apprend plein de choses. Ma grand-mère, je l'ai soignée 4 ans à domicile. Évidemment, elle perdait sa tête. Elle nous disait des trucs insensés. Mais je n'arrivais pas à savoir de qui elle parlait. Ah bah oui, et j'ai ces souvenirs d'autrefois. Mais je faisais tous les personnages. Et un jour, j'étais ma mère, qui est morte depuis longtemps. Un jour, j'étais sa mère. Maman vient ici. Ouais. J'ai fait tous les rôles. Et on arrive à être complice. C'est incroyable. Seul avantage d'avoir un parent qui a ça, c'est Si moi, j'étais complice. Tu peux lui faire croire que tu lui achètes un DVD tous les je jours. Je ne voulais pas la contrarier. Oh, je ne l'ai pas vue. Non, c'est mieux. La dispute. La dispute. Oh, tu es insupportable. Elle se levait. Elle disait, mais je cherchais quoi d'ailleurs? Le sel, maman, le sel. Ah oui, c'est vrai, je cherchais le sel. C'est à ce point? Ah bah oui, c'est-à-dire que d'un moment à l'autre... Non, mais elle était paralysée, c'était différent. Et ça t'a entraîné chez toi une perte de la voix avec des symptômes du trac quand tu devais prendre la parole en public, sur les infos, tout ça, et annoncer des drames, t'avais plus de voix. Mais c'est que ça m'est arrivé un jour, ce qui est un Pour le Koursk. Le Koursk. Vous vous rappelez du sous-marin, le Koursk, tu te rappelles? Combien de morts? 120 morts? 118 gamins dans cette espèce de tombeau d'acier au fin fond de la mer de Bering. Et j'avais déjà des bouffées comme ça. Je prenais des médicaments. Pas encore. C'était juste du stress et de l'angoisse. Et je prenais des médicaments. Et ce jour-là, il y avait tellement il y avait tellement à faire que je suis descendue en plateau. Je n'avais pas pris mes médicaments. Et au moment où j'ai dit, voilà. Et au moment où j'ai dit, madame, monsieur, bonsoir, les 118 sont mariniers du Koursk. Je pouvais plus parler. Plus rien n'est sorti. T'arrives quand même. T'arrives quand même à te forcer un peu, mais. C'est un truc. C'est pas dissime, quoi. Et en plus, c'est tellement honteux. Comment tu t'en es sorti? Moi, j'ai raccourci mon texte. J'ai lancé les deux noms des journalistes qui faisaient le reportage et on a enchaîné. Mais c'est terrible parce que j'étais à la fois. Épouvantée parce que c'était une tragédie épouvantable qui se jouait. Mais quel est le rapport avec ta mère? C'est parce que tu y penses à ce moment-là? Je n'ai pas bien compris. Elle pensait que sa mère était en naufrage, j'imagine. C'est compliqué, ferme ta gueule, hein, vraiment. Attends, j'ai le droit d'aller. Non, tu vas trop loin. On n'a pas le droit de s'exprimer. Elle dit des très jolies choses, très sensées, c'est pas comme d'autres. Et je me suis dit, pourquoi ça t'arrive là? Parce que la première fois que ça m'est arrivé, c'était au moment où ma mère a déclenché la maladie d'Alzheimer, au moment de la naissance de mes enfants. Et je pense qu'il y a eu là une espèce de phénomène d'émotion qui fait que dans la vie où tu crois tout maîtriser, où tu te dis, voilà, j'avais 40 ans à l'époque, J'avais donc un seul enfant. J'avais un seul enfant. Et je pensais pouvoir complètement maîtriser mon expression, ma parole. J'étais tout à fait à l'aise dans mon métier. Et là, subitement, crac, je ne peux plus parler. Moi, une fois, sur un prime comme ça, je n'ai pas pu démarrer, mais ce n'est pas du tout pour les mêmes raisons. Moi, c'est parce que j'avais une invitée, dont je tairai le nom, évidemment. Chanteuse. Une invitée. Nous sommes en direct et 20h45... Brûle. Non, je ne dirai rien. Non, mais brûle. 20h45, son attaché de presse vient et lui dit « ton verre d'eau ». Et il lui pose. Elle prend le verre d'eau, elle prend juste une petite goutte. Et elle laisse le verre comme ça, qui était plein comme le tien. On me dit... Antenne dans 15 secondes. Ah. Et dans l'oreillette, le réalisateur me dit « vire le verre, c'est pas beau ». Je me tourne donc vers l'invité, je lui dis
En plus, j'avais la gorge sèche. Ça t'ennuie si je le finis. Et je ne sais pas. Donc, j'ai de l'eau. Oui. Je peux, ça t'ennuie pas. On le resservira après. Et je fais comme ça. Il reste 10 secondes. Mon Dieu. Et là, tu craches. Et qu'est-ce que c'était ? De la vodka. Ouh, et là, on fait à toi. Ah, bonsoir. Bonsoir. Et comme ça ne venait pas et que j'avais, je voyais trouble. Tu sais, j'ai laissé applaudir les gens et je faisais comme ça pour qu'ils continuent pour, que ça pour gagner du temps. Bonsoir. C'est le feu, quoi. Alors qui ça peut être, Bruno Blonde? Écoute, voilà. Et donc il y avait une bouteille au pied. Je l'ai compris après, au pied et pendant un petit peu toute la soirée. Voilà. Ça peut pas être Annie Girardot, elle a très peu chanté. Le verre complet, quoi. C'est quelqu'un qui travaille encore? Je ne te dirai rien. Non, mais tu pourras bien élevé, tu diras rien. Non, mais c'est quelqu'un qui est décédé avec ce qu'elle s'envoie. Mais pas encore. Justement. Oui, bonsoir. Oui, c'est le reste du bétail là, oui, qui arrive. C'est au fond de la cour, tout au fond, monsieur. On a Psy qui va venir, c'est une exclue de la chaîne. Moi, voilà, j'ai rien à foutre. Il va venir, il va chanter. Aidez-moi parce que je suis pas très fort en anglais. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous demandez? What is Gangnam? Le deal, c'est qu'il fasse sa chanson. Oui. Je sais pas comment. Corée. Je... La Corée, il faut qu'on fasse la Corée. Corée, ouais. C'est son pays, connard. Et je sais pas comment on va gérer ça. Donc vous, qui parle anglais? Tu lui dis nice to meet you. Ça va, Paul? Bien, et toi? Magnifiquement bien. Ça va, Pauline? Ça va, Laurent? Toute belle? Merci de l'invitation. Salut, mon Lolo. Il est encore dans les meilleures ventes. Ah. Incroyable. Allez, venez, on passe au salon. On n'en a rien à foutre, nous. Est-ce que chacun se connaît? Bonsoir, monsieur. Non. Vous bonjour. Ça, c'est gentil, parce qu'effectivement, je suis pas rapide. Oui, une fiche pour sur chacun d'entre alors, nous. Alors, Paul, on c'est est le comte de la panneuse, patron de Thoiry. C'est son papa qui a créé Thoiry. Alain, ça, c'est vrai. Chacun connaît Alain. Bien sûr. Au Grand Dubourg, l'homme qui se fait gifler par des attelles. Par des attelles, c'est oui, un singe. Notamment. Oui, exactement. Ah, oui. Alain fait un bouquin formidable. Oui. Un dictionnaire. Dictionnaire passionné des animaux. Oui. Que j'ai dévoré. J'ai eu la surprise de voir que tu... C'est mieux de dévorer les animaux. Tu parlais de moi. Dedans, bien sûr. Pauline Delpech qui a écrit... C'est ton quatrième livre, c'est plus. Alors, c'est plus Barnabé, c'est rien plus du polar. Là, c'est un roman. Terminé là. Le polar. Ça parle de quoi ton livre, alors, Pauline? Écoute, c'est l'histoire de deux femmes. Il y en a une qui s'appelle Elisabeth, qui a 60 ans et qui a une tumeur au cerveau, donc sa mémoire commence à être dévorée. Et sa fille, Julie, 30 ans, qui l'emmène sur l'île d'Oléron pour lui faire passer une semaine douce et plus jolie, en tout cas, que dans l'hôpital dans lequel elle se trouve. Et puis, elle va lui raconter ce qu'était sa vie, puisqu'elle a oublié tout, elle a tout oublié. Et au fur et à mesure du récit, elle va s'apercevoir qu'il y a un malaise entre ses propres réminiscences et le récit de Julie. Et voilà, le livre parle de ce malaise qui se crée entre elles. Et c'est au final une très belle histoire d'amour, mais en toile de fond, il y a un mensonge. Je peux pas en dire bien plus, parce que sinon je délivre... Faut pas déflorer le... Non. On se comprend. Pour rester dans la déconne, Pauline, elle a commencé à écrire quand elle était à l'hôpital. Ah c'est oui, gay. Le premier livre, oui. C'est vrai, vrai. Ah oui, c'est ah vrai. Ah bon? Ah oui, j'étais enfermée depuis de longs mois, et puis je m'étais dit, il faut bien un moyen de s'échapper un peu, parce que j'étais enfermée dans un couloir de 15 mètres, mais enfermée, c'est pas le droit de sortir du tout. Donc j'ai pas senti le vent sur mon visage pendant au moins 8 mois. Et donc, je me suis dit qu'il fallait écrire pour... Et j'ai créé Barnabé, d'ailleurs, à Sainte-Anne, pour tout tu dire. Tu faisais de la boulimie à l'époque? Non, je faisais de l'anorexie. L'euro. Ce qui est un peu autre chose. C'est le même processus. Et toi, qui es pour la préservation des batraciens, Paul fait un truc formidable à Thoiry, ouais, avec sa fille. Ma fille a créé une arche de Noé, de 600 mètres carrés, qui s'est échouée à Thoiry. Les gros animaux sont allés dans le parc, et les petites bêtes... ont envahi l'arche parce qu'elles ont besoin d'être protégées, donc elles ont envahi l'arche. Alors ma fille a fait le pari que l'on pouvait intéresser le public avec des grenouilles, des salamandres, des escargots de Partula, qui sont beaucoup plus rares que les dragons de Komodo que nous avons à Thoiry, et les pandas. C'est quelle sorte de grenouille ? Parce que les escargots de Partula n'existent plus, faune française n'existe plus dans la nature. Et il y a 4 sous-espèces qui sont maintenues en vie par 3 établissements dans le monde, dont Thoiry. Et je crois qu'elle est en train de gagner son pari parce qu'on a fait une préouverture au public et que c'est un très gros succès. Et
C'est toujours plus facile d'attirer du public avec les éléphants qu'avec des grenouilles. Mais voilà. Et alors, mais l'escargot de... Laurent a accepté d'être parrain de l'arche. Ah, de l'escargot, je croyais. Et des escargots aussi avec. Et t'as une vraie passion pour les animaux, toi. Les escargots, surtout. Mais pour les moules et les grenouilles, ou tous les animaux J'ai un penchant pour les moules. Et qui va venir. Oui, oui. Mais c'est pas triste. Vous m'aidez parce que moi je me Est-ce que tu as appris la chorégraphie? Il parle en anglais ou pas? Oh oui, fais-nous. Est-ce que tu as appris la chorégraphie? Non, j'ai pas appris la chorégraphie. Mais il parle pas du tout français. Je ne sais pas, je ne gère pas le dossier. Il parle anglais, je l'ai entendu à l'émission. Alors, il a fait des études aux États-Unis, je crois. Il parle anglais. Mais est-ce qu'on est obligé de lui parler, surtout? Je sais pas où là-dessus. Mais quand même, ce serait peut-être plus poli. Il va chanter déjà. Mais il vient, il chante et puis on regarde chanter. Mais il dîne avec nous ou pas? Je ne sais pas. Paul, oui, tu m'as demandé, tu m'as dit, j'ai un rêve, si un jour je viens à Paris, c'est psy ou psy. 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 Hein? Ou psy. Je crois qu'on dit psy. Ou psy. Non, on dit psy. Psy. Ou psy. Psy. Eh ben voilà, ce rêve, je l'ai réalisé, j'ai fait jouer mes relations. Patron, c'est Gangman Style, là, le mec du cheval. Elle fait bien, elle fait bien. Elle est formidable. Arigato. Alors, ça, je connais ça. Oui, c'est au fond de la cour, tout au fond. Hello, nice to meet you. Hello. Welcome. Welcome. My name is Stella from Brazil. Hello, Stella from Brazil. Hello, welcome. My name is Laurent. Hello, Laurent. Let me introducing some friend. Paul de la Penouse. Hello. 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 How are you? Françoise Laborde. Very good. Nice to meet you. Hello. Alain Beaugrain-Dubourg. Hello, nice to meet you. Hello. Pauline Delpech. Hello, nice to meet you. Nicoletta. Hello, nice to meet you. Vous parlez français? Hello. Hello. Julien. Nice to meet you, Julien. Hello. Hello. Adele. Nice to meet you, Adele. Paris. Do you want to sit down? Il m'a compris. Paris. I speak little French. Il était à Toronto, hein, ce matin, quand même. You was in Toronto this morning. I just arrived now. Oh, you have just a plane. You won't sing now. Oh, I'm a bit tired. Il a fait le yes. Coup. You want to drink something? Let's sing now. Yes. Champagne. And after, sure. Have a seat. Champagne. You want some so beach? You want to sit down? See, no? Come on, take my place. No. You're a lady. It's okay, I'm very skinny. Mais la zik à fond. Julian, please. Yes, parce que au moins que tu vois. Ah oui, oui. Yeah. 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 Allez. It is very easy. It is a first right, then left, then right, then right again, then left, then right, then left, then left, then left, then left. Right, left. Okay. So then you do just like horse. Just like horse. Easy. Very good. Wow, bravo! Oh, you do very well, you do very well. Alain, lâche-toi! Ah non, jamais de la vie! T'as peur d'envie! Bravo! Bravo! Et bien, tu vas. Enculé! Ça veut dire bravo en... J'espère que t'as filmé, à tort. Bravo en coréen. Enculé! You want head? Do you want head something? Head? No, eat. Eat. Eat something. Oh, eat. 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 Yes. Are you yes. Angry now? Eat. Okay, okay. Eat. Je vais me débrouiller en anglais. Merde, arrête de conneries. What is it? On a perdu, Julien. On a perdu Julien, détends-toi. Ça met tout le monde mal à l'aise. Déjà, c'était difficile pour lui de danser. Mais bien sûr, il arrive, alors, il arrive. 1 milliard and 4 million connection, the Bretagne. It's good. 1 milliard 500 millions,
Quelqu'un peut m'aider 1,5 million. On a perdu Julien. 1 million. On a perdu Julien. Je veux rentrer chez moi. Moi aussi, je veux rentrer chez toi. Tout le monde veut rentrer chez toi. Tell us about this district, Gangnam in Seoul. Il t'a fait d'arriver, tu me fais danser, arrête, c'est pas... What is it? Gangnam is... Gangnam is a neighborhood. Yes. Neighborhood. Very chic. It's a very chic. It's like here. Oops. Oh, you crash. Hey, hey, mais tout. Everybody does that in France. Yes, we spit. Look. Enfin, Laurent, merde. Bon, okay. Ça va. It is like you have the here, the Faubourg Saint-Honoré. Ah, ben voilà la vodka. Attends, tu viens juste de me moularder la gueule. Thank you very much. Welcome. And this is why they are riding horses. No, no, no. This is just joke with friends. How do you have inspiration? Fandus. Fandus. C'est Fandus. Pas mal. Il y a de l'humour. Vous êtes très branché sur les questions européennes. I love France. How do you say bonjour en coréen? Annyeonghaseyo. 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 C'est un gros mot. Ça veut dire j'aurais pissé sur tes morts. Je say cheers. Cheers is comme à le japonais. Kampai. You hit with us? With pleasure. Cool. With pleasure. Nice to meet you. Arigato! Zubratai! He's very much impressed. This is why, you know, he's a little childish. He's very good. Very, very good. Yes, very funny. You know Julien Corbet? No, you know, don't know me. L'origine du monde. La choupanette. Corbet. Déjà, l'origine du monde. Déjà, on a du mal à te suivre en vrai. Okay. Déjà, well, déjà, on a du mal à te suivre en version Megastore. Française. I have heard of Julien Courbet. Ah, j'entends. Ah, quand même. Big Notoy. Dalida. Je ne sais pas s'il a eu raison de te virer. Nicoletta. Hello, mort le soleil. Nicoletta, good singer. Oh, thank you very much. Good singer. Oh. Ah. Mystère de la Panouse, le vicomte de la Panouse. Et Shepard of Strange Animals. Le vicomte de la Partouze. Le vicomte after, de la Partouze. After, you see after. Let's first eat. OK. Let's go in the table. Aide-moi, toi, tu vas m'en sortir. Let's go in the table with my friend Laurent Murphy. I call you Psy or Psy? Psy. 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 C'est moi la cougar, si je comprends bien, non? Nice to meet you. Thank you. La chatte, c'est qui la chatte? Dis-moi, hé, hé. C'est Courbet. Hé, la cougar, c'est moi? Ouais. La chatte, c'est moi? Il arrêtait pas. La profile, c'est moi. N'achetez mi cantare. Et moi, je suis où alors? Je comprends rien. L'ascenseur. Ah, l'ascenseur, bien sûr. Ah, mais il y a une faute, hein. C'est l'ascenseur en deux mots. Oui, j'ai bien vu. C'est oui. Julien. J'aurais dû Julien. Are you happy to your success? I am very, very happy. It was all of a sudden. Not in Korea, but here. Here. Capital par jour. All over the world now. Can you tell us how do you do? Because for Julien, for example, who wants to make a worldwide success, Monsieur va donner sa recette, peut-être. Bien sûr. Oui, tu prends l'air intéressé. Ça peut m'intéresser. J'ai un peu de temps là en ce moment. C'est délicat. Can you tell him what sort of clip he can? Have you big dick? My English. Excuse me, my English. Et maintenant, prions. Seigneur, non, non, non. Prenez les mains. Recevoir. Prenez les mains. Prenez-vous les mains. Maybe you have a wish before to eat in Korean. May Julien Courbet have a great international success. Thank you. Les autres, non. And the other are piece of shit, hein. Thank you. Hein. Thank you very much. Nicoletta is the bitch. Thank you. Arigato. Et pourquoi il a pas de potage, la star, là? Oh, thank you very much. You like croquettes? Je pensais qu'il allait danser à repartir. You like croquettes? Parce qu'il y a les croquettes du chat, personne ne lui fait la bouffer, la star. Le mec, il fait 2 milliards par jour. On lui fait même pas à bouffer. Il vient de faire 20 000 km, le pauvre. Demandez combien. Il a dû gagner beaucoup d'argent, là. Are you rich? She wanted to know if you are very rich. Very rich. You have pepette? Nah. For me, being rich is in the mind, not in the wallet. Yes, very but nice. Easier. You know fisc fucking? In France, we have fisc fucking. Pardon? Fisc. Not fisc. Il parle de la pression fiscale. Pardon. Ah, voilà. Il parle de la pression fiscale. Excuse me for my English. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de Thoiry? Comment ça a été... C'était un domaine qui était parti en perdition. Je n'avais aucune chance de pouvoir l'entretenir.
Et donc, j'ai demandé à mon père, il avait 21 ans, de l'ouvrir au public pour lui donner une fonction sociale à travers une activité culturelle et quelques revenus touristiques. Et je me suis aperçu très vite que le château n'attirait pas assez, n'attirait pas les enfants, même si on a une 400 000 pièces d'archives qui sont une énorme fonds d'archives historiques. Et donc, il y avait deux solutions. Faire un parc d'attractions, mais ça aurait cochonné, ça aurait détruit le site que je voulais sauver. Soit mettre les animaux, qui avaient deux avantages. Ils étaient en harmonie avec les arbres et ils ne se démoderaient jamais. Donc, j'ai mis un petit parc zoologique, aidé par Jean Richard à l'époque, et Jean de la Cour. Et puis, je me suis dit, c'était idiot de cacher les horreurs que j'avais faites et de mettre des animaux alors qu'on avait 400 hectares de domaine autour. Ah, bien sûr. Et c'est là où j'ai eu l'idée de mettre les animaux en liberté. Tu as eu des accidents avec les animaux. Tu t'es fait charger par un éléphant. Mais l'éléphant va très bien, il n'y a pas de problème. Un buffle ? Une femelle hippopotame. Qui t'a laissé une dent dans le... C'est-à-dire qu'elle cherchait son mâle. De loin, j'ai fait illusion. De près, j'ai déçu. Et elle m'a pris dans sa gueule. Et la dent est rentrée là, elle s'est promenée par là. Mais le fait d'être bien enveloppée m'a sauvé la vie. Et elle va très bien, elle aussi. Et en plus, la vacherie, c'est qu'elle a retrouvé son mâle 8 jours après... Ils ont eu un petit et tout le monde a raconté que... Et ton portrait craché. Mon portrait craché. Do you understand French? Can you follow the conversation? Yeah, yes, I can. Oh. Yes, I can. May I put a question? Why did you wear your glasses all the time? Because it is a very good question. No, I have sometimes not my glasses. I can remove my glasses if you... Oh, yes, please do. Ah! Put your glasses immediately! Ah! What did you do before? Nothing. Nothing at all. Just studying. I went to... You were a singer? Yes. But I went... How old are you? I'm a 35. Oh merde, ce verre, non, écoutez, c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Ça fait deux fois que je me fais avoir. Tout à l'heure, je pensais que c'était moi, mais c'est un verre, en fait. C'est très bon. Mais qui sont bravo. Bêtes. T'as mis de la vodka de nouveau. Mais non, c'est pas de la vodka, c'est un verre farceur. Tu sais où tu... Ah, regarde, il y en a un bois qui ne veut pas boire. Oh. You like échangisme? Do I like... Non, mais attends. Do I like... Faut le préparer psychologiquement. Non, he's kidding. He's kidding, nothing serious. Okay. You know, sometimes it make too much... You know, si, c'est... CSA. They said, you're good, you're bad. Police of the TV. No, police of the TV. We're not police. Radio aussi, du coup. Police. Censorship. No, we're Gary. McCarthy. No, No. We can smoke. She's sensuelle. Give me your hand. Mais en fait, c'est quoi véritablement le rôle du CSA? Le rôle du CSA, c'est de s'assurer que bah, les programmes sont conformes à un certain nombre de règles qui portent notamment sur la bienséance. Là, on est servi. On est au cœur de l'action ici. Vous êtes un petit peu compromise, là. Et, non, mais en gros, l'essentiel, c'est de s'assurer que les éditeurs de radio et de télévision respectent leurs obligations. Donc, il y a des obligations qui sont... Et tu as été nommé par Sarko en 2009. Oui. Et les obligations, c'est par exemple... toutes les chaînes. Un peu ou pas du tout? Non, parce que c'est assez rigolo. Non, parce que, par exemple, toutes les chaînes doivent faire un minimum de production. Production audiovisuelle. Attends, lui, il produit de la merde sur France 2. Est-ce que ça rentre dans la production de la fiction française? Non, parce qu'ils ont un quota de merde à faire chaque année. Non, mais attends. C'est grâce à moi qu'ils le font. C'est devenu culte tellement c'est mauvais. Chaque année, combien France Télévisions... Comment ça s'appelle?
une quarantaine d'heures de merde. Moi, je suis chargé de ça là-bas. Comment ça s'appelle ? Ah, la scripted reality. Oui, mais la version. Mais c'est pas de la fiction. Le jour où tout a basculé. Oui. Il paraît que dans les castings, plus les comédiens sont mauvais, plus vous les prenez. Plus on les paye cher. Ah bon, ça nous intéresse. Et ça fait tous les zappings. Non, mais c'est un concept. C'est un genre. Et est-ce que ça rentre dans les quotas de fiction ? Ça a été débattu, ça, ou pas ? C'est-à-dire que, pour l'instant, on est dans une espèce de... Une espèce, bravo, le sait, ça. Oui, on est dans un entre-deux. Moi aussi. C'est ton problème. Après, moi, je n'ai pas rentré là-dedans, mais... Non, non, elle a un prénom. La fiction, la fiction, c'est un scénario, des acteurs... C'est exactement ce qu'on fait. Un réalisateur... Si tu veux, ce qui est jugé, décors. Ce que je trouve injuste, c'est ce qui est mais jugé... Mais nous, on n'a pas dit... C'est le fond et pas la forme. C'est la forme et pas le fond. C'est-à-dire que, nous, il y a... Mais est-ce que tu te souviens de Voisin-Voisine à l'époque sur la 5 ? C'est exactement Attends, le même problème. Non, c'est pas le même problème. Continue. Voisin-Voisine, c'est de l'impro. C'est encore notre site. Voisin-Voisine, on leur donnait. Il y avait une trame. Oui, mais là, il n'y a pas de trame. Là, c'est au mot près, à la virgule près. Il y a des auteurs, il y a un réalisateur, il y a un accessoiriste. C'est... Alors après, évidemment, que ça n'a pas le niveau d'un Fassbinder, ce n'est pas le même budget. Mais c'est, tout est écrit au mot près, donc on ne peut pas dire que ce n'est pas de la fiction. Et qui peut se permettre de dire... Non, mais nous, de toute façon, on ne rentre pas dans ce débat. Enfin, ben si. Non. Les chaînes, à la fin de l'année, vont dire, on déclare au titre de nos obligations de production audiovisuelle tel et tel programme. On va regarder si ce programme relève de la définition de la fiction telle qu'elle existe, que je viens de donner. Donc on est en plein dedans. Absolument. Donc, est-ce que pour toi, si je t'amène un scénario, comme je te l'expliquais oui, quand on était à l'ESS... Oui, bien sûr que donc oui. C'est comme si tu disais, il y a un bon disque qu'on peut cassiner. Voilà, demain, je me mets à chanter, je prends une guitare, je le fais... T'as pas de menace, il fait le comique, déjà. Non, mais écoute-moi. Une chose à la fois. On va dire, non, ça, je suis désolé, c'est pas de la musique. Mais on n'a pas dit que c'était pas de la fiction. Mais on n'a pas dit que c'était pas de la fiction. Eh, c'est délicat. Ce qu'on dit, c'est que ça rentre dans des critères qui sont ces critères-là, et que nous, on n'a pas à juger d'autre chose qui est la qualité que juge le CNC. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour dire il faut aider telle production plutôt que telle autre. Ça, c'est le rôle du CNC. Le CSA, il regarde juste. Qu'on n'a pas demandé, d'ailleurs. Mais vous avez quand même, pardon, une notion de qualité à défendre, et vous pouvez privilégier la qualité au flux. En fait, vous avez un rôle. Vous jugez la vulgarité, par exemple. On juge de la qualité. Ah oui, il doit des amendes. En fait, vous punissez. Okay. Oui. Des amendes, oui, des amendes. Bien sûr. Ah, tout le mec contrôle. Bah pourquoi ? Quand on fait, par exemple, Dialectique, moins 10, moins 12, moins 16, moins 18, c'est devenu quelque chose qui est complètement, non seulement accepté, mais à la limite demandé, y compris par les téléspectateurs. Dis-moi, il y a combien de personnes qui suivent les programmes ou qui écoutent et qui regardent tous les jours pour voir où il y a les problèmes ? Ah mais ça n'existe pas. Bon, alors on m'a dit que tout était visuel. Mais alors comment vous savez qu'il y a eu un dérapage ? Quelque chose qui fait un bip. Vous savez qu'il y a un dérapage Parce qu'on est saisi. On est essentiellement saisi. Dénoncé. C'est la France de 40. On dénonce. On est excellent là-dessus. C'est le téléspectateur qui vous signale. Attendez, grande tradition hexagonale. Mais non, mais arrêtez, c'est ridicule. Il y a eu ces lettres de noblesse. Mais ça m'énerve, la caricature, franchement, tout de suite. C'est ridicule. Mais non, mais par exemple, voilà, Césine. Il y a une mère de famille qui nous dit, moi, ma fille, attendez, le dernier vidéo musique de je ne sais quelle, non si. Pas de Psy, d'une chanteuse qui est qui est très évocatrice, qui est un peu trop voilà. Et donc elle nous dit c'était diffusé l'après-midi à telle heure. On regarde, on visionne, on voit si en effet c'est trop ou pas assez, et on décide d'interdire. Il y a des programmes où on va avoir une télé-réalité où les rapports entre les participants sont très violents, très vulgaires. On va voir si on intervient, si on n'intervient pas. Je vais ouvrir une parenthèse parce que comme Laurent a beaucoup écrit pour Jean-Marie Bigard, moi, que j'adore. Une fois, j'invite Jean-Marie dans une émission en prime. Il était déchaîné. Il était comme toi ce soir. Ça n'arrêtait pas. Puis c'était à l'époque où il était, tu sais, lâché de salope, etc. J'étais contre ce sketch, personnellement. Non, mais écoute. Et il vient, et donc, pendant 2 heures, il en sort une énorme, toutes les 20 secondes. Et à TF1, comme sur toutes les chaînes. Des animaux et des hommes, non ? Oui. Et à l'époque, donc, justement, pour ne pas avoir de problème avec le CSA, la chaîne t'envoie quelqu'un qui visionne le programme, qui te fait une note en te disant « il faut couper ça, il faut couper ça ». Et le lendemain matin, ou 2 jours après, on reçoit la note de ce qu'on appelle la conformité à TF1. Et là, je l'ai encadré, moi, je l'ai toujours dans mon bureau. À 15 secondes, coupé, il lâche la purée. À 30 secondes, il imite la fellation, coupé. À 45 secondes, il y avait toutes les horreurs qui étaient... Il n'y a plus de sketch. Non, mais c'est pas ça, mais ce qui était drôle, c'était que Jean-Marie était dans une telle forme qu'il y avait 4 pages de... Il dit bite, il dit...
Il y a eu des répercussions. Non, mais pardon, pardon Françoise, mais quand on a été, et qu'on est toujours une grande journaliste, quand tu es au centre d'une forme de censure, est-ce que tu n'es pas en contradiction avec ton métier de journaliste? Non, parce que pour moi, ce n'est pas du tout une forme de censure. Je veux dire, on ne peut pas à la fois vouloir... tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut une télévision de qualité, qu'il faut faire des efforts, etc., etc., que la violence est épouvantable, et en même temps, trouver que ce n'est pas bien. Nous, on ne censure pas, on fixe des règles. On dit à un moment donné, voilà, à 20h30, on ne met pas un film sur certaines violences. Mais c'est vrai de tous les pays du monde. Je veux dire, vous allez aux États-Unis, il n'y a pas de signalétique moins 10, moins 12, mais les associations familiales... Il n'y a pas un bout de sang aux États-Unis. Et ils ne montrent rien. Mais, c'est quand même, non, mais ça peut paraître quand même super rigide et vous ne l'êtes tellement pas. Tu aimes ce qui est super rigide? J'adore. Mais qu'est-ce qui est super rigide? Je vous serais la première à vouloir dire à un moment donné... À 15 secondes, il a dit bite, à 15 secondes... Non, mais ça, c'est... Non, mais quand même, c'est affolant. Après, c'est... Puis c'est vrai que les sketchs de Jean-Marie, c'est pas facile à gérer. Nous, on fonctionne pas comme ça. Mais vous pouvez essayer un peu de changer les choses? Vous en avez envie? J'ai pas l'intention du tout de changer les choses. Je considère pas du tout que ma mission est de faire sauter les règles du CSA. Je trouve au contraire que c'est très bien. Et vous pouvez pas stopper un peu le flux de télé-réalité? Vous me dites, c'est pas terrible pour vous d'être dans une position de censeur et dans la seconde. Non, je demande. Vous me dites, est-ce que vous pouvez pas stopper le flux de la télé-réalité? Oui, vous pouvez pas donner en pâture des choses un peu plus intéressantes. Mais moi, je suis pas directrice des programmes. Et puis dans la télé-réalité, c'est une chose. Les vrais services publics, tu n'en as pas sur le. Non, le directeur des programmes, c'est le président de la République qui a demandé qu'on virasse ce connard en son temps. Mais on a. Mais voilà, on a. Qui était choqué. C'est vrai que Sarko était choqué de ton arrivée sur France 2. Il trouvait que ta présence n'était pas très service public. En fait, je me suis retrouvé dans un feu croisé où à l'époque, effectivement, j'étais le paravent de Carolis. Exactement. Il est avec la main, il nous dit Abdel. Abdel, présente tout ton plat. En fait, c'est un pain à l'encre de sèche que fait un ami qui s'appelle Gontran Charrier, rue Colincourt, à côté, dans le 18e. Ah, j'y vais tous les jours. Et dedans, il y a une tranche de truffe noire, vraiment très fine, avec un bœuf assaisonné, sel, poivre, un morceau de comté dessus, tomate cœur de bœuf, et un caviar d'aubergine, des aubergines que j'ai brûlées sur une flamme pour les fumer un peu. Et une sauce barbecue. Délicieux. Bravo. À une époque, tu étais une affaire politique, toi, Julien. Une affaire politique, j'étais mais on me l'a dit après, j'étais un fusible. Encore une fois, à l'époque, je crois qu'il voulait attaquer de front de Carolis et sa direction, si je me rappelle bien. Oui, absolument. Et l'idée, c'était de dire, on les attaque, parce qu'il fallait trouver des arguments pour pouvoir les attaquer, on les attaque en disant, France 2 ne fait pas assez de services publics, ça ressemble trop à TF1. Et au moment où cette campagne est lancée, j'arrive. Mais qu'est-ce qui t'a décidé à quitter TF1? Alors, à partir de là, on a dit, on stigmatise, c'est bon. Voilà, on va pouvoir dire, il incarne, et donc j'en ai pris... Pourquoi t'as quitté TF1? Qu'est-ce qui t'a décidé à quitter... 17 ans de bronze à loyer. Ouais, mais te rends compte un peu la place qu'il avait au sein de TF1? 17 ans, oui, mais bon, c'est pas... Mais il n'y avait plus de conflits de voisinage en France? T'avais réglé tous les problèmes? J'avais quasiment tout réglé, oui. Non, c'était envie de faire autre chose, tout simplement, à un moment donné. Et t'aurais pas pu sur TF1? TF1 voulait que je continue sans aucun doute. Oui, c'est ça. À un moment donné, t'as envie de faire une petite pause, tu vois, de t'aérer un petit peu. T'as jamais regretté? Faut pas regretter. Faut toujours aller de l'avant, ouais. Et tu vas revenir, là, sur TF1 ou... au moment où je te parle, très honnêtement, j'en sais rien du tout. Ouais. J'en sais rien du tout. Mais c'est pas quelque chose que, tu vois, que j'exclus, quoi. Mais j'en sais rien, là. C'est tout frais. Et je me suis surtout donné, cette fois-ci... Et tu restes sur la TNT? Un mois, oui, bien sûr. Ah ouais. Moi, je trouve que c'est un Eldorado, la TNT. Oui. C'est un espace de création. Il y a tout à faire, en plus. Il y a tout à faire. Ça me brancherait bien, par contre, la TNT. En Corée, vous avez des émissions avec... De jeux et de concours qui sont complètement délirantes. In Korea, do you have how do you call it? You have television? Yes, we have television. They are selling all over the world. You have those programs where people... Ils les vendent partout dans le monde, leur télévision. You have those programs when people make contests? Yeah, I am just kidding. I understood your question. Thank you. In Korea, we have completely different rules. Completely different rules. Can you listen to our guest, Miss Laurent? Demande-lui. Non, mais c'est bon, le temps s'est écoulé. Vous êtes un sosie.
Bon, alors on va parler. Voilà. Elle l'a su depuis le début. Depuis le début, non, c'est vrai. Mais tu sais pourquoi je l'ai su? Bah parce qu'il y avait marqué le Lyonnais. Mais non, mais il était pas. Et les sosies sont de Lyon, c'est tu pour ça. Tu sais pourquoi je l'ai su? Ah, c'est bravo. Il était bravo, pas du bravo, tout à Toronto ce matin. Bravo. Jamais j'ai inventé bravo, le truc pour savoir. Et il m'a dit qu'il était revenu. Non, mais vous êtes très bon. En plus, j'étais à Barcelone. Oh, mais vous êtes sans déconner. C'est pas l'ouvrage. C'est pas l'ouvrage. Extraordinaire. Bravo. Mais vous êtes beau quand même. Merci, merci, merci. C'est mon naïf. Tu crois que c'est la vraie Nicoletta? Non, mais. Non, mais. Si, vous, c'est la vraie, on la connaît. Vous voyez alors, j'ai gobé, mais complètement. Toi, t'étais ravi pour tes enfants. Ils voulaient prendre le film pour ses gosses. Et passe le film. J'ai fait une vidéo pour mes enfants. Que dit le CSA? Et ton prénom? Alors, c'est Denis. Denis, alors. Alors, Denis, je suis Denis, ton histoire, elle est étonnante. Alors, raconte ton histoire, Denis. Je suis né à Séoul aussi. J'étais adopté à l'âge de 3 ans. Par qui? Par mes par alors, parents. Par bah mes oui. parents. Par oui. les donneurs anonymes. Voilà. Alors, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, je suis passé par Orly. Et Orly est l'aéroport où ma mère adoptive, enfin mes parents, pardon, adoptifs, sont venus me chercher. Mm-hmm. Et pour moi, il y a toujours ce côté très. Une certaine émotion très intense à chaque fois que je passe par Orly. Mais tu avais quel âge? Alors, j'avais 3 ans. Alors, vous arrivez en France à 3 ans? Alors, j'arrive en France à 3 ans d'un père infirmier psychiatrique et d'une mère secrétaire médicale. De la région clermontoise. T'as le type, hein? Bah, ça se voit de suite. On... Clermontois de base, toi. Bah, ça se voit, ça se voit. Les gens me disent ça. Tu te démerdes en accordéon? Je me démerde en guitare, par contre, oui. Parce que j'ai fait des études musicales. Et donc, voilà, et puis après, je suis parti. Mais donc, quand Psy est arrivé, comment t'es venue l'idée d'être son sosie? C'est... Est-ce que t'as envie? Tu étais dans la merde à l'époque. Tu avais essuyé des échecs. Voilà, voilà. J'ai... Et au début, tu connaissais pas la notoriété de Psy. Non, du tout, du et tout. On t'a proposé 400 euros, ton premier cachet. C'est ouf. Tu sais beaucoup de choses, effectivement. Ton deuxième cachet était également de 400 euros. Maintenant, c'est plus proche de 10 000 que de 400. Voilà, c'est, ça, ça a changé un peu. Ça a changé. Ça a changé un peu. Raconte. Quand on lui donne beaucoup moins pour être sosie de Julien Lepers. Hein. Oui, oui, j'ai plus laisse de mal. Laisse l'humour, je vais le faire. Tu ne fais pas chier avec ça. Excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je t'enferme pour rien. Mais alors, comment ça s'est passé? Alors, c'est-à-dire que je me baladais dans une boîte. Et ça a commencé d'ailleurs au concert de Lady Gaga, où une personne m'a demandé pour la première fois une photo en disant « Hey, t'es le mec qui fait Gangnam Style. » Il me dit quoi? Mais lui. Vous étiez, tu étais backstage, comme on dit en bon français. Non, spectateur. Non, non, spectateur. Juste spectateur. Mais pas ni avec les lunettes noires. J'avais mes lunettes de soleil, j'avais ma veste. Il faut dire qu'à l'époque, sans connaître Psy, il s'habillait comme lui, comme Monsieur Jourdain faisait de la pro sans le savoir. Ah, c'est d'accord. Tu as fait une recherche sur Internet? Pas de suite. Ça s'est passé après, quand je suis sorti en boîte. Et où là, par contre, ça a été... Il y a une émeute. Une émeute, oui. Tout le monde s'est mis autour de toi et tu as fait la correcte. Ça a été ça. Et puis on m'a dit... Et là, tu as joué le jeu complètement? Alors, j'ai joué le jeu, je ne savais pas quel jeu jouer, surtout. Ouais. C'est là où j'ai recherché un peu après. Et effectivement, j'ai vu la chorégraphie, j'ai entendu la musique. Je me suis dit, ce mec, il cartonne. Mais, quand même, les gens, comment est-ce qu'ils peuvent me confondre? Voilà, il est quand même plus gros que moi. Un destin, quoi. Et puis voilà. Tu as dû apprendre la danse très rapidement, j'imagine. On m'a mis à peu près une journée sur un studio. Oui, j'ai appris la danse. Et voilà. Et puis voilà. Tu l'as remercié depuis ou... J'aimerais le remercier personnellement. Eh bien, il est là. Je voudrais inciter tout le monde à lire le bouquin de Alain que j'ai adoré. Alors, effectivement. Voilà, on y vient enfin. Alors, explique-nous le calendrier de la pollution et de la vie. Alors, la vie, enfin, la Terre se définit il y a 4 milliards et demi d'années et la vie apparaît il y a 3 milliards et demi d'années, c'est-à-dire un milliard plus tard. Quand on dit ça, on se dit que ce sont des chiffres complètement surréalistes et on n'a absolument pas la représentation de ce que c'est. Et il y a un esprit éclairé qui a eu l'idée de rapporter cette histoire de 4 milliards et demi d'années à 7 jours d'une semaine. Alors il démarre le lundi à 0 heure et on va considérer que ça correspond à il y a 4 milliards et demi d'années. Eh bien, la vie apparaît le mercredi à midi. Les dinosaures apparaissent le dimanche après-midi à 14 heures et disparaissent à 17 heures. Nos ancêtres Lucie, on va dire 3 millions d'années, un peu plus maintenant, c'est minuit moins 3 minutes le dimanche soir. Le Christ, c'est un quart de seconde avant minuit. Et la révolution industrielle, c'est-à-dire 18e, 19e, 200 ans. Bon, c'est un 40e de seconde avant minuit. Ça signifie en clair qu'à l'échelle d'une semaine, la mainmise de l'homme sur la planète et sa capacité à faire
un avenir dont on peut douter. Moi, je veux dire, c'est un euphémisme pour dire la destruction, ce que tu entends. Voilà. En 1/40 de seconde, une espèce, l'homme, a mis la main sur la planète et peut bouleverser l'avenir. Et donc là, ça nous donne une responsabilité considérable. C'est la responsabilité qui est colossale. Et je suis très fier d'être européen et qu'on ait dépensé, l'Europe ait dépensé des sommes colossales, milliards d'euros, pour le cyclotron, pour étudier un quart de millionième des secondes du début de l'univers. Et en même temps, envoyer un satellite... C'est quoi, ça fait 40 km de... Oui, c'est un truc énorme. Mais ça, c'est de la connaissance pure. Et je trouve ça fabuleux, parce que ça, c'est le principe positif. Parce que nous, les hommes... On appelle les atomes de Savoie, ça a été fait en Suisse. Nous, les hommes, on a l'univers pour territoire, et on rêve d'éternité. Nous sommes l'espèce qui n'est pas la meilleure. On est la plus complexe, pour le meilleur et pour le pire. On peut tout détruire. Mais on peut aussi tout construire. On peut faire un paradis terrestre. On a tous les pouvoirs. Non mais Paul, on est d'accord pour dire que l'homme, il est arrivé il y a peu de temps et il va partir dans peu de temps. Pourquoi pas ? Pourquoi une minute ? Pourquoi 10 000 ans ? Personne ne sait. Parce que ça, l'homme est une espèce qui s'applique. On n'a pas la durée, mais on sait qu'une espèce naît, s'épanouit et meurt. Oui, mais alors, c'est l'homme, si la branche sur laquelle il est assis... Pardonne-moi de le penser, vu ce qu'on est en train de faire de la planète et dont on dépend, on a plus de chances d'écourter la durée de vie normale. Pour le reste... Je suis comme toi, le progrès, la science et tout, c'est extraordinaire. Et ce n'est pas parce qu'il y a une crise qu'il faut s'exonérer de la recherche. Mais quand même, quand on voit les millions investis et qu'on voit qu'on n'a pas les moyens de sauver la biodiversité dont on dépend, là, on peut se poser des questions. Présente-nous ton dessert. Alors, le dessert, c'est une panna cotta, mais très crémeuse, avec un peu de vanille dedans, pas beaucoup de sucre. Oui. Et dessus, j'ai pilé des spéculoos avec de la mangue. Petit cube. C'est délicieux, très frais et très léger. Parce qu'on a tendance à manger des panna cotta très gélatineuses. Non, c'est très frais, écœurant, très presque léger. De la gomme. Très, très bon. C'est le sosie Nicoletta, arrête. Mais je vais vous amuser. Quand j'ai rencontré mon compagnon, c'était pour l'immigration du tunnel porte ouverte de la Manche. Écoles. C'était pour l'immigration du tunnel de la Manche, il y a plus c'est de 20 ans. C'est comme ça qu'il t'appelait. Écoute bien. Dans une boîte, chez Castel. Et ils avaient invité pour ce soir-là des enfants. Plein de sosies anglais. Il y avait la reine d'Angleterre, il y avait Elton John et bien d'autres. Mais les sosies officielles ? Des sosies anglais, puisque c'était des invités anglais, des invités français. Il fallait faire partie du club. Ce n'est pas le Castel d'aujourd'hui. Hein. Et je suis tombé sur mon compagnon, donc, qui est son meilleur ami. Et toute la soirée, ils m'ont entretenu et ils disaient... Après, ça a été l'inverse. Dis donc, justement, comme toi, oh, ben, dis donc, pour être le sosie de Nicoletta, là, quand même mieux que Nicoletta. Bah oui, parce que Nicoletta, elle est plus vieille. Hein. C'était horrible, tout ce qu'ils m'ont dit toute la soirée. Et ça fait 22 ans que je vais avec lui. Donc, je suis parti normalement sur une histoire de sosie. Je voudrais que Julien nous fasse un extrait de son spectacle. Non, tu ne peux pas me demander ça. Mais si, tu peux nous dire un sujet que tu as exploité. Ouais, d'accord. Ah non, mais j'ai exploité plein de trucs. D'ailleurs, j'en ai écrit un, tu sais, sur mon licenciement, pas plus tard qu'avant-hier. Ah, c'est fait. Voilà. Quelle est l'âme de ton sketch ? L'âme de mon sketch, c'est que je dis que je ne suis pas rancunier, en fait. Voilà. Et que quand j'ai été licencié, je suis descendu au garage de France 2 récupérer ma voiture. Il se trouve que par hasard, il y avait à côté celle du directeur et... Je ne suis pas rancunier, avec ma clé de voiture, j'ai marqué « sans rancune » sur son capot. Et après, j'ai signé Nagui. Alors, chacun va raconter une histoire d'animaux. Alors, ma petite histoire, c'est Ouin-Ouin qui part de Lausanne par le train avec un copain pour aller à Genève passer la journée, lui faire visiter la ville. Il descend à la gare de Cornavin et il part à pied pour aller jusqu'au pont du Mont-Blanc pour voir le joli Brabus du Léman. Et à un moment donné, au milieu du pont, le copain de Ouin-Ouin écrase un escargot, ce qui est interdit en Suisse. Et alors Ouin-Ouin, complètement sidéré, lui dit « Mais il t'a rien fait, cette bestiole, pourquoi tu l'écrases ?» Et l'autre lui répond « Il m'énerve, ça fait plus la gare qui nous suit. » Une fermière qui a un cochon qui est malade, elle fait venir le véto. Le véto... Ausculte le cochon et lui dit bon, il a pris un gros coup de froid. Hein. Je vois pas ce qu'on peut faire. Hein. Franchement, si dans l'idéal, si on voulait vraiment le soigner, il faudrait le mettre au chaud. Et le fin du fin, ça serait de le mettre dans votre lit, évidemment, bien couvert avec une couverture. Mais bon, évidemment, je ne vous le propose pas hein, à cause de l'odeur. Oh ben, l'odeur, il s'y fera. Je connais le type qui se fait arrêter, qui descend dans les Pyrénées et qui se fait arrêter parce qu'il y a un troupeau de brebis.
Non. Et donc, il est obligé de s'arrêter, il voit le berger, etc. Et puis, il s'approche du berger, il lui dit, dites-moi, mon brave, si j'arrive à compter le nombre de brebis que vous avez autour de vous, est-ce que vous pourrez prendre un animal? Le berger lui dit, ça, monsieur, si vous arrivez à compter vos nombres de brebis, je dis, bah non, vous pourrez prendre, un animal, c'est pour sûr. Alors, il dit, il y en a 852. Oh, alors, monsieur, franchement, je suis impressionné. Je ne pensais pas que comme ça, avec un coup d'œil, vous pourriez compter le nombre d'animaux. Eh bien, alors, oh, ça m'embouche un coin. Je peux en prendre une nouvelle. Ah, mais monsieur, je vous promets, cette chose est due. Vous prenez la bête, choisissez-la. Et alors, le monsieur prend un animal, ouvre le coffre de sa bagnole, clac, l'animal dans le coffre. Puis le berger s'approche et dit... Dites, monsieur, si je suis capable de trouver ce que vous faites, vous, dans la vie, est-ce que je pourrais la revoir, ma bête? Alors, l'homme dit, bah, écoutez, oui, pourquoi pas. Eh bien, je vais vous dire ce que vous êtes, vous, monsieur. Vous êtes un énarque. Alors, c'est inouï, comment vous savez ça? Il dit, parce que, monsieur, vous calculez des choses qui n'ont aucun intérêt. Vous proposez de rendre des services que personne ne vous demande. Et puis par-dessus le marché, la bête que vous avez prise, c'est pas une brebis, c'est mon chien. C'est bien. C'est un mec qui va aux putes. C'est animal comme histoire. Et puis il va à l'opéra, il dit c'est combien 500 euros. Il va à Pigalle, il dit c'est combien. Et puis il dit c'est 150 euros. Il va à Barbès, c'est combien? C'est 50 euros. Il va au fin fond de Barbès, il voit une vieille pute, il dit c'est combien, il dit, c'est obligé de raconter ça. C'est la zoologie. C'est 20 euros. Il y va, 20 euros c'est pas cher. Et puis il monte dans la chambre, il se fait la pute, puis il regarde, il fait ah mais t'as des morpions. Il dit alors pour le prix, tu voulais pas des gambas, non? Reviens, Françoise. Non. C'est la zoologie, reviens. Vous n'êtes pas obligé de rire, hein. Je vous entends. Waouh, c'était bien sympa. Surtout pour piquer 3 assiettes. Merci, Laurent. Mon Laurent, saint Augustin disait « On perd moins se perdre dans sa passion qu'à perdre sa passion. » Alors voilà un message qui apparaît comme peut-être un peu intellectuel. Pour te dire que ce dîner était passionnant. Écoute, Laurent, le au revoir dans les commodités, ça me semble être conforme à tout le reste. C'était une soirée charmante, inattendue et pleine d'imprévus. Voilà, fantasque, comme toi. Bien évidemment, j'avais très peur à mon arrivée de recevoir des scuds et des scuds et des scuds. Tu as été un hôte de rêve. Le rire, en définitive, aide beaucoup à transmettre des choses extrêmement sérieuses. Et je crois qu'on a tous partagé des moments d'émotion, des moments de joie, de plaisir. Nous avons appris plein de choses très jolies tout au long de la soirée. Je t'embrasse. Le dîner était mortel. En plus, non, mais ce qui est bien, c'est qu'on a le psy qui est avec nous. C'est juste la grande classe. Ça, c'est Gangnam Style.